on a animé ensemble ce matin une conférence sur immobilier as a service. Mmh. Et moi, ce que je voulais voir et partager avec vous, c'est finalement quel est l'enseignement que vous retenez des échanges qui ont été assez vifs. Ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que un certain nombre d'utilisateurs qui étaient dans la salle étaient vraiment tous en phase, et j'étais à peu près d'accord avec eux, sur le rôle de l'investisseur et le rôle du locataire. C'est vrai qu'on aimerait de temps en temps être un peu plus accompagné par nos investisseurs, surtout dans le cadre de très très gros projets comme là j'ai pu gérer. Ça a été le cas moi avec en tout cas mon investisseur, mais sur d'autres projets un petit peu plus petits, c'est vrai qu'on est un petit peu, on n'est pas très aidé, on est obligé de gérer un certain nombre de choses qui pourraient être gérées par le propriétaire. Et c'est surtout sur la vision prospective ou c'est sur une thématique plus opérationnelle ? Plus opérationnelle, plus dans l'immeuble, plus aménagement, plus... les éléments qui sont aujourd'hui évidents et essentiels dans des immeubles que les investisseurs, les propriétaires n'anticipent pas forcément assez. Finalement, quand on parle d'immobilier à service, ce qui est important, c'est l'occupant, on en parle beaucoup, les directions immobilières, on en parle beaucoup, mais finalement, le rapport entre l'investisseur, propriétaire et le preneur, il y a un vrai sujet, c'est encore un sujet sur lequel on peut s'améliorer. On peut vraiment s'améliorer. Bon, en tout cas, c'est sûrement une piste pour un prochain échange. Exactement. Merci en tout cas, Valérie.